Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Mods 1.14.4, l'épisode numéro 3, dans lequel notre version de Forge a évolué de la 28.1.56 vers la 28.1.79 pour cause de compatibilité avec les nouveaux modes installés. Et oui, j'ai bien dit les nouveaux modes installés. Allons voir ça tout de suite. On a 3 modes d'installer une dépendance, une librairie par rapport à un mode. Donc on a toujours notre magnifique cup qui fait à peu près tout. Petit équipement de base, on va dire. Et on va aller regarder tout de suite les nouveaux modes. Alors on a un nouveau mode qui est très simple, qui fait une seule chose, une seule petite chose, mais qui quand même a son importance. Oh, j'en ai besoin. Je m'y suis tellement habitué. C'est un mode qui s'appelle Crafting Station et qui en fait reproduit uniquement ça, la Crafting Station de Tinker's Construct, qui a un avantage magnifique au-delà de l'esthétique. Voilà, on a l'esthétique, hein, on a le. Je place des objets. Je les vois dedans, c'est trop bien fait. Bon, voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est pour tout ranger, nickel. C'est pas terrible comme hache, mais bon, ça passe. Et quand on le pose à côté d'un coffre, tadam, on a accès au contenu du coffre qui est à côté. Ça, c'est tip top. Donc ça, c'était un poil obligatoire pour faire la suite. Deuxième chose importante, bon, voilà, on l'a vu, on le regardera après. Deuxième chose importante, les sacs à dos. Excellent, il y a même celui de l'Under Chest. Ça, j'avais pas vu. Bon, il en faut deux, ça coûte cher, mais c'est pratique, quoi. Donc, le backpack, on a le petit, on a le moyen, qui est fait avec un petit et plus de cuir, et le big, qui est encore fait avec l'autre. Magnifique. Bon, on a accès à tout à côté. Bah, il faudrait essayer de se trouver un peu de cuir, mais j'ai pas envie de générer trop de maps. Bah voilà, donc je vais pouvoir ranger pas mal de bouzou là-dedans, ce qui sert pas tout de suite. La bouffe, on va la prendre. Ça, un peu de terre, pas mal de bouffe, ça on s'en fout. Voilà, hop, on va ranger par exemple la bouffe. On va finir de faire cuire ça. Puis on va mettre toute la nourriture. La laine, donc, ah ouais, c'est pas grand. C'est ballot, il manque juste un de cuir pour faire le tiers supérieur. De bah, une vache pas très loin, je vais essayer de voir ça si on a une petite vache vite fait pas loin histoire de faire au moins la taille supérieure pour en ranger plus. Après je pense qu'on peut en faire plusieurs aussi, mais il n'y a aucun intérêt tant que j'ai pas assez de matériel, ça n'a pas d'intérêt. On prendra le lit aussi. Allez, je vais jeter un petit coup d'œil vite fait sans aller trop loin. Sortons au village aussi parce que j'ai fait bas domaine et j'ai pas envie de gérer des... Oui. Ah, sérieux? Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais essayer de pas aller vers le village parce que j'ai pas envie de gérer les raids. Je vais juste choper un de cuir et ben, ouais, je sais, c'est pas sympa. Bah, ce sera l'âne. Hein. Impeccable. Ouais, pas besoin de plus, hein, c'est pas. C'est juste histoire de faire le tiers taille supérieure, histoire de ranger un peu plus de matos parce que nous allons aller dans le Nether. Et certainement ressortir d'ailleurs ailleurs qu'ici. On va récupérer ça aussi. La table de craft. Hop. On va laisser le coffre ici. On a un petit point. T'as pas de nom, petit point? Si. Base. Et ben, ce sera parfait. Hop, allez, on va récupérer le reste du matos. Puis on va aller faire un petit tour dans le Nether. Dans lequel j'ai rajouté donc un mode avant d'y aller. C'était le but, c'est pour ça aussi qu'il y a celui-ci en plus.
Alors, c'est les deux premiers que j'ai présentés. C'est vraiment des petits modes. Hop, le médium. Bim. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah déjà, le médium, c'est top. Hein. On a plus besoin de se prendre la tête. Niveau matos. Bah voilà, ça sert à rien. Hop, hop. Ça, on va y garder. Le seau du pain pour la nourriture. Du coup, est-ce que je garde ça? On va y mettre là. Les blocs, l'eau, la nourriture, l'épée, les torches, plus de torches. Ah ouais, non mais ça c'est top. Hein. Donc bon, arrêtons de nous extasier là-dessus. Donc, lors le Nether, j'ai rajouté juste un mode qui s'appelle Basic Nether Ore. Ça rajoute quelques trucs, donc bah, des matériaux qui seront pas encore utilisés, comme par exemple le lead, hein, qui est le plomb, je crois. Hein, bon, charbon, ça ok, le copper, bah, tout ça pour l'instant, et on n'a pas encore de recettes. Hein. On peut faire des nuggets, on peut faire des blocs, mais les blocs servent à rien, et les nuggets servent qu'à faire d'autres lingots. Hein, tiens, là on slab aussi. J'avais pas fait gaffe. Bon bah voilà, on a l'étape de plus. Hein. Donc on va aller faire un petit tour dans le Nether qui a priori doit être bah assez sympa normalement puisque via Biome Plenty on a d'autres biomes normalement disponibles. Hein. Hop. Oui, il nous faut un petit briquet peut-être. Alors, on a du fer. Ah ouais, non mais c'est super pratique ça. Du flint là. Parfait, merci. On va y garder. Servir. Je sais pas encore à quoi. Mais... ok. Hop. Un peu d'iron, un peu de flint. Un flint et steel. Bim. On range ça. On range ça. Non. Voilà. Wouhou. Allez, c'est parti. Bon, pas d'arc, rien. Hein. YOLO, comme on dit. Roulement de tambour. Ok, pas... ok, super, ambiance. Ah, t'es pas visible. Ah, t'es là. Et j'ai accessoirement... Bah, pas d'arc, hein, je l'ai dit. Je veux que tu meurs. Oui, oui, oui. Ok, pas mal. Et il sentait que j'allais gagner, là. Hein, il sentait que j'allais gagner, il s'est lamentablement enfui. Ok, bon, on va essayer de... Bah, de pas faire n'importe quoi. Sérieux? Ok. C'était à peu près ce que je voulais pas faire. C'est-à-dire n'importe quoi. Je peux pas placer... Oh. T'es où? Tiens, double boule. Rebond de boule. Bon bah, écoute, hein, va mourir. Ok. Ah, merci. Je savais bien que... Je finirai pas à y arriver. Alors. Eh ben, du silver. Du gold. Ah oui, ah oui. Ok, l'ultime provocation. Donc ça, c'est quelque chose qui est rajouté par le mod, hein, de Nether Ore. C'est que du coup, quand on leur vole leurs ressources, à nos amis les pigmen, ils ont une petite tendance à vouloir venir se venger. Là c'est pas très violent parce que tous ne sont pas n'ont pas l'aggro d'un coup, mais ceux qui étaient dans le quartier, lui il s'en fout, ceux qui étaient dans le quartier par contre eux ils m'en veulent quoi, c'était à eux quoi. Aïe. Puis ils mettent des petites patates assez sympathiques. Bon,
Allez, allons faire un tour dans la forteresse, voir ce qui s'y passe. En tout cas, ah, y a pas, hein. C'est joli. Aïe. Alors ça, c'est des épines. Bramble. C'est joli, biome plenty. Y a pas photo. Par ici. Ouh là là. Si vous pouvez éviter de mourir, lamentablement, ce serait un des raisins. Ouais, bah ça. Je suis arrivé au bon endroit, je crois. Salut. Oh, salut. Ouf. Ok, ambiance, hein. Coucou. Salut. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est du H-block. Utilité aucune. Des os sont ça, c'est classique. Ok, bon, on va essayer de se venger. Ah. Bon bah salut. Hein. J'ai pas envie que tu t'envoles et que je galère. Ah, ça c'est pas sympa du tout ça. Il y a trop de... Quoi? Sérieux, c'est qui? Qui a osé m'attaquer par derrière, comme ça, lamentablement? Voilà. Ah, je crois qu'on a un petit bug graphique. Alors, il faut vraiment que je me planque, là. Ah oui, quand on est en flamme, il y a un petit truc qui déconne. Ah. Ça sent très mauvais. Hein. On va s'enfermer tranquille. Et on va tester, voir si la... Ah. Ah. Il semblerait que... La... Comment ça s'appelle? Alors, mon lit de... Ouais, ok. La... Zut, flûte, crotte. Hein? Ah, va falloir trouver un autre mode pour la tombe. Parce que, bah, j'ai pas vu de tombe, là. Voilà. Sérieux, j'ai pas pris la table d'enchant. Bon, en tout cas, j'espère que le pigment ne m'en veut plus. Parce que je suis tout nu. Allez, allons voir vite fait. Je n'ai même pas de pickaxe, mais bon, normalement, à travers les blocs, ça devrait le faire. Bon, en tout cas, eux, ils m'en veulent plus. Non. Ok. Ah, ça, c'est cool. Ah, puis j'ai pas de bloc. Bon, on va faire comme ça. Ça va m'éviter de... Voilà, de refaire tout le chemin. Bon, j'essaie de retrouver mon matériel et on se retrouve juste après. Effectivement, tout était passé au travers, donc tout va bien. Le casque... On peut le dire, hein. C'est vraiment mauvaise ambiance, là. Ah, un petit coffre. Super. Truc, on s'en fout. Bon. Salut. Je t'ai vu, mec, hein. Ah. C'est pas mal, sa technique de... Petit demi-tour sur place, là. Comme ça, je le... J'arrive pas à le taper. Ah, impeccable. Ça creuse un petit peu vite. Hein. Je l'entends. Je sais pas où il est. C'est pas une bonne idée de l'entendre, pas le voir. Hein? Ah, c'est moi ou c'est pas sympa dans le quartier? Salut. Tu veux venir te battre?
Je te préviens, hein, je vais te mettre une déculottée. Hein. Qu'est-ce que je t'avais dit? Enfin. Allez, on va récupérer les derniers de ce côté. Ce sera largement suffisant. Alors, tiens, tu veux mourir à coup de cup? Ah, c'est moins intéressant la cup, hein. On va rester sur le... l'épée en opsie, je crois, à l'avenir. Bon, après, je peux me faire un arc, hein. Faut pas déconner, quoi. J'ai un super sac à dos. Hop, sac à dos, sac à dos. Alors, j'ai ça. On s'en fout. On va tout ranger. Il y a de la place. On peut se prendre la tête, hein, quand même. Des trucs qui servent à rien. Ça, je vais garder. Donc, il nous faut quelques strings. Une crafting station. Tiens. Et un petit peu de bouée. Un petit peu de bouée. Un pot de stick. Et ouais, clic molette, excellent. C'est quand même sympa le modé pour ça. Hop. Bon, j'ai pas la table d'enchant, donc il faudra qu'on retourne dans le quartier. Non, je récupère tout, s'il vous plaît. Tac, et normalement... j'ai deux flèches. Cool. Allez, hein. Et voilà, 18 plumes. C'est un poil plus raisonnable. Bon, avec ça, je devrais pouvoir arriver à buter suffisamment... suffisamment de blaze et on pourra retourner tranquille dans l'overworld. J'entends oh non, allez, c'est mince. Ah non, mais c'est pas sympa parce qu'au final oh quoi, sérieux, belle tête chercheuse. Oh mais... ouais, youpi. Ok, maintenant faut manger. Restez planqué. Bon. Une seule blaze rod. Ça veut dire qu'on peut faire le l'alambic, mais on peut pas faire les potions. Non mais... vas-y, viens, viens. Approche-toi. Mais pas trop quand même. Cours, Forest, cours. Oh. C'est joli, les champignons. Bon, je m'en vais, hein. C'est pas intéressant du tout de se battre avec eux. Allez, on va prendre un petit peu de glowstone. C'est cadeau. Allez. Parfait, allez, on s'en va. Allez hop. Trouvera bien un mode pour en fabriquer. 3. Sérieux, j'en ai tué 3 autres et j'en ai qu'une. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais ça suffira pour aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais faire mon petit retour dans le... dans l'overworld tranquille. Enfin, tranquille. Je sais pas s'il y a vraiment un moyen de le faire tranquille. En tout cas, il y a des choses assez marrantes. Par exemple, ces petites fleurs là qui crament les fesses, ça peut être sympa.
pour faire des petits pièges. Pour faire des petits raids sans forcer. Est-ce que ça se plante n'importe où ou pas? Ok, ça donne du colorant, c'est sympa. Et ça se pose que là-dessus. Tac. On va en prendre quelques-unes pour voir. Ça pourra peut-être servir. Faire des bêtises. Hop. J'ai plus d'eau. C'est marrant parce que ça marche bien sur tous les types de bois, sauf sur les tables de craft. Marrant. La cup elle est pas efficace sur la table de craft. Allez, je sors mon petit sac à dos. Je repose mon petit. Je fais une petite dodo. Et puis alors donc pour le prochain épisode, il va falloir trouver. D'ailleurs, je l'avais mis. Je vais vérifier. C'est un petit peu. Alors j'ai mis dans tout ça. Ouais, gravestone mode. Hein. Donc normalement, c'est censé faire une tombe. C'est censé même me donner un papier avec le lieu de ma mort. Je crois qu'il va falloir en trouver un autre hein, parce qu'il n'est pas fonctionnel. Bon, donc prochaine étape, se trouver un nouveau mode de tombe, le tester accessoirement aussi, ce sera pratique. Enfin, 10 levels quand même, je peux le tester tout de suite, mais le tester par la suite. Et puis bah attaquer un petit peu le technique, hein, j'ai déjà voilà des idées de mode pour la suite, des choses qui devraient être assez nouvelles, puisque pour le moment les gros modes classiques entre guillemets en 14-4 ne sont pas sortis. Du coup on a des passionnés qui créent des petits modes en s'inspirant de cela et ça fait des petites découvertes parfois sympathiques. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos Minecraft. Et puis bah écoutez, d'ici le prochain épisode, amusez-vous bien. A ciao, bye bye.